Salut les gens, c'est Hazard. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors je prends la caméra parce que aujourd'hui je vais vous parler un petit peu plus de façon sérieuse. Je suis en compagnie de Wesso là, juste à côté de Chris Abdo. Et du coup, ouais. Concernant la chaîne Hazard des TCC. Alors déjà pour commencer, Hazard, il y a eu. Il y a de moins en moins de vidéos parce que tout simplement j'avais le matos qui était cassé. Nice. Et aussi du coup je vais essayer d'améliorer la qualité de mes vidéos. C'est pour ça que depuis un certain temps j'ai, comment dirais-je, changé ma façon de faire mes vidéos. Après il y a des vidéos qui vont encore sortir, des vidéos comme à l'ancienne, mais je vais essayer d'améliorer mon contenu. Puis après, il y a des styles de vidéos que j'aimerais faire sortir, mais ça je verrai plus tard, je suis pas encore sûr. Concernant le TCC, alors comme vous avez pu le voir, alors ouais, comme je disais du coup, les gens, concernant le TCC, il y a eu des. Comment dirais-je? Il y a eu des mauvaises compréhensions. L'équipe ou la chaîne communautaire, je sais pas trop. Du coup, il y a certains membres qui ne reviendront plus. Vous le verrez de toute façon au fur et à mesure des vidéos. Il y en a qui sont toujours, mais qui sont cachés derrière la caméra. Donc, ouais. Quoi d'autre sinon mis à part ça, il y aura des vidéos qui sortiront toujours sur TCC, mais beaucoup moins fréquemment. Et je pense que malheureusement ce sera pas des vidéos super bien faites, pas autant qu'avant. On va essayer, j'ai bien dit essayer, de refaire les vidéos comme avant. Et puis voilà, on verra. Comme vous avez pu voir en termes de qualité, vous avez par exemple, enfin de qualité, le reportage TCC, qui a été vraiment une vidéo vite fait, très très vite fait. Puis ouais. Sinon, mis à part ça, mis à part Hazard et The Crazy Club, pour parler peu, pour parler moins, disons que en ce moment, on va dire, tout se pourrait bien, d'après ce que j'ai compris, je vais devenir sourd. Je m'explique. En gros, je suis allé voir un médecin pour mon oreille, parce que si vous voulez, j'avais une otite. Je vais voir, elle m'a très précisément expliqué qu'en gros, bah, vers mes 30 ans, bah, je serai sourd. Enfin, en tout cas, de cette oreille, ça c'est sûr. L'autre, elle sait pas, mais c'est déjà, ça me fait chier, quoi. Donc c'est quoi ça, demi-sourd, je sais même pas. Et du coup, ouais, j'ai un peu le seum depuis quelques temps. Ça me fait chier. Parce que du coup, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter la musique. Qui, en plus, pour faire ses vidéos, a besoin d'écouter du son. Mais bon. Je préfère écouter du son avec des écouteurs. Et aussi. What? Et aussi aller à la mer. Elle m'a expliqué aussi que je pouvais plus aller dans l'eau parce qu'apparemment, vu que j'ai un tympan, on va dire, très abîmé, bah, il y a l'eau qui s'infiltre directement, on va dire, au lieu que ça bloque. Donc, yes. Yes! Que des bonnes nouvelles. Mis à part ça, mis à part tout ça, en ce moment. Je suis un peu en train de rentrer dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà. C'est plutôt que je regarde. C'est le mec derrière toi. T'imagines. Oh, vas-y, on. What the fuck? Oh! Non! En tout cas, ouais, je suis en train de rentrer dans le monde de la crypto-monnaie. Je suis assez content. C'est assez intéressant, je trouve. Quoi? Ah, la caméra est tombée. Je vais me mettre alors comme ça. Vous pourriez te connaître. Je vais envoyer genre voilà. C'est fou comme. T'as vu ça? Bah vous voyez là j'ai mon setup entre guillemets fait maison. Chez voilà le QTCC entre guillemets. Qu'est-ce que Wesso met sa main pour être sûr faire un truc bizarre. ouais, du coup, je suis en train de m'investir pour la crypto-monnaie, je suis en train d'essayer de comprendre le mécanisme, tout ce qui se passe avec. Puis, ouais. C'est vrai que ces temps-ci, j'ai un peu moyen. J'adore faire des vidéos YouTube, mais j'ai
tellement de choses qui m'arrivent dans ma vie privée, du coup ça me perturbe un peu. Mais bon, je m'accroche. Mais bon, en tout cas, je m'accroche. Et voilà. Je vais faire du mieux que je peux, je vous tiendrai au courant sur un daily, on va dire, update. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, mis à part ça, le seul truc positif, c'est que j'ai encore perdu du poids à nouveau. Parce que oui, j'étais revenu à 100 kg. Et là, je refais 94 et quelques. Et je suis content. Bah écoutez, ben, sur ce, je vous dis de vous abonner à ma chaîne Hazard, à The Crazy Club et à l'autre là-bas qui est en train de faire des bails bizarres. Et je vous dis de vous abonner et on se retrouve à la prochaine. Peut-être, je sais pas. On verra. Salut!